Bonjour à tous et bonne année 2023 et en ce début de mois de janvier. Oui, on est encore ici à Bassin-la-Bou comme chaque semaine. On est dans cette émission Plaisir Créole, notre culture. Beaucoup d'émissions qui se passent ici. Aujourd'hui, on a délaissé un petit peu le studio de Quartier Français. On a des gros studios là-bas, on a des grands studios, hein, mais tout le monde préfère venir ici. Donc du coup, de l'autre côté, on se concentre dans tout ce qui est les montages vidéo, dans tout ce qui est la préparation pour la télé, tout ça. Et donc, c'est ici qu'on tourne la plupart des émissions quand c'est pas sur, à l'extérieur. En tout cas, on est encore dans une petite émission de cuisine où c'est pas moi qui vais cuisiner, bien sûr, parce que peut-être dans l'année je vais cuisiner, mais en tout cas, pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il y a mes enfants qui ont décidé de me faire une surprise. Ils vont venir dans un petit instant et ils vont cuisiner pour moi. Ils vont cuisiner pour moi parce qu'ils savent que j'aime le poisson, ils savent que j'aime les crevettes, les fruits de mer et tout ça. Et donc, bon, ils vont faire une petite sauce de crevettes à la créole. Pas n'importe quelle crevette, paraît-il. Ils sont allés chercher ça du côté de Sainte-Rose. Parce qu'à Sainte-Rose, il y a des petites crevettes que j'aime bien. Enfin, c'est des grosses crevettes de mer, hein, bien sûr. Hein. Et le goût est magnifique, magnifique, magnifique. Hein. Et on en trouve un petit peu sur le marché, mais très peu. Mais sinon, les pêcheurs pêchent dans des casiers à des profondeurs qui sont quand même assez grandes, puisque c'est des crevettes qui généralement dégagent une petite... comment on dit ça, des petites lumières. Voilà, hein. C'est une crevette éclairée, alors on va dire ça. Hein. Et ensuite, avec un petit poisson, je crois, c'est pas un tasard, mais je crois que c'est la dorade coryphène, oui, en friture, comme ça, avec un petit peu d'haricot rouge, rosé, parce que j'aime bien le rosé, hein. Du riz, piment, enfin quoi, carré créole, quoi. Hein. En tout cas, pas tous les enfants seront là aujourd'hui, hein. Il y a Sivadji qui est à Maurice, bon, il est à Maurice, il se prélasse à Maurice, hein, tant mieux, bonnes vacances, bonne vacances, Sivadji à Maurice, mais il y aura Christelle, Chloé, il y aura Raji, il y aura Candice, Cristal aussi peut-être sera là tout à l'heure, je ne sais pas. En tout cas, moi je suis arrivé un petit peu en avance et puis je les attends. Puis on va passer un petit moment en famille aujourd'hui, un petit moment avec les enfants aujourd'hui. Allez, on se retrouve dans un instant. Cristal, qu'est-ce que tu fais? Je fais le riz. Tu vas faire le riz? Donc c'est toi qui fais le riz aujourd'hui alors? Ouais. Ah bon? Tu peux donner mes salons? Ben oui, attends, je vais donner, d'accord? Allez, ben... Et tu sais comment on lave le riz? Ouais. Ah, comment on fait? Ah bon? Et tu laisses couler l'eau comme ça? Non. Ah bon? Voilà. D'accord. Je vois, je vois, je vois. Il faut pas que tu traînes parce que sinon le riz va tremper. Oui, hein? Ça va couler, ce sera pas bon. Ce sera pas bon. Allez, bon. Ok. Arrivé l'homme. Ah bon, que les conseils mangent aujourd'hui? Elle a entendu, elle a vu. Il paraît que c'est ça qui fait cuisine pour moi et après, donc je ne te connais pas. Ouais. Un poisson et crevettes. Poisson et crevettes, hein. Ouais. Maintenant, Chloé est arrivée. Hein, Chloé arrive tard. Oui, bon, ça va après. Pas pressé. Hein, Cristal est là. Là, oui. Candice va arriver avec Raji. Et Sivadji, la Maurice. Sivadji n'est pas là. Aïe, aïe, aïe. Pas du bac carré, Maurice. Bah oui, avec Océane. Bah oui. Ouais, Guillaume aussi sera là tout à l'heure. Oui. Ouais. Mmh. Bon, bah, tout à l'heure alors. Allez. Allez. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire les épices déjà. Mmh. Attention le couteau. Je commence par les tomates. Ça va assaisonner le poisson parce qu'il n'a pas encore arrivé, donc on commence toujours alors. Hein? Voilà, hein? Donc le poisson est là. Hein? Ça, c'est de la dorade, dorade coryphène. Vous voyez, il est bien frais. Hein? Ouais. Le seul problème, c'est que pour ça, fait frit, il ne faut pas qu'il colle trop. Donc pour éviter qu'il colle, il faudrait peut-être mettre un petit peu plus d'huile. Hmm? On va essayer. Ah, première fois, mais je suis cuit poisson. Je ne mange pas poisson, donc... Je ne mange pas le poisson, mais je fais cuit poisson. Sel, poivre, alors? Sel, poivre. Vous l'avez vu que les boîtes de Beaujette, ils servent à mettre le sel dedans, poivre dedans, bah oui, la pâte dedans. Bon, allez, hein? Ben, ça va pas. Hein. Allez. Quelle quantité me colle pas, moi? Allez. Voilà, après, mélange ça. Voilà. Allez, bon. Un petit peu de poivre aussi dedans. C'est une friture le plus simple possible, hein?
Le seul problème, c'est qu'il ne faudrait pas que les collent à la cuisson. Parce que le poisson, c'est ça, hein, le problème. Hein. Hein, donc, là aussi, avec du poivre dessus. Donc, salé, poivré. Hein, en mot français, ça veut dire assaisonné. Oui. Assaisonné. Assaisonné. Et là, on mélange. Mélange tout de suite. On peut mélanger quand même. Hein. Hein, ou les ongles trop grands. Hein. Ouais, ça salit nos ongles. Oh. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi tu fais? Ça, il mange pas comme ça, ça? Je mange pas. Hein. Je coupe. Ah, tu nettoies. Même papy, ça pue. Ça pue? Ah oui, ça pue. Bon. Bon, on aura assez, là? Oui, on a assez. Hein? La l'air. La l'air. Après, ça prend bien le goût, hein, le sel, le poivre. Hein? Rien d'autre hein, que du sel et du poivre en friture. Hein? Ça, c'est pour accompagner les crevettes. Hein? Mm-hmm. Voilà, hein, parce que faut pas deux caries, faut un seul carie. Hein? T'as un petit coup pour voir si là, le four n'a pas mis les chaud. Elle n'est pas assez chaude. Elle n'est pas assez chaude. Si hein? Tu touché que mon doigt n'est pas assez chaud. Oui, ben le feu ne pas mettre trop fort parce qu'il ne faut pas qu'il est trop fort parce que c'est trop fort, va brûler le poisson dès qu'il rentre dedans. Hein? Et là, de l'huile. Donc là, il faut bien mettre hein, de l'huile, hein, parce qu'il ne met pas de l'huile là. Noir, il y a. Et on a encore de l'huile là-bas où? Oui. Ah bon, il faut stock alors. Il faut stock mais ramasse. Hein. Ça, c'est la poudre de manioc alors. Hein. Ouais. Ça, c'est l'astuce pour pas qu'il colle trop. Hein. Alors, on peut mettre encore. Hein. Faire, oui, tu peux faire. Oui, oui. Oh, bon, bah, on est là. C'est bon. Ça, c'est comme du foie gras, ça, c'est-à-dire quelques minutes à côté, quelques minutes de l'autre côté. Hein? Parce que le poisson, il n'a pas besoin d'être vraiment, vraiment bien cuit. Hein? Voilà. Tu vas te couper. Il parle que les enfants ne doivent pas utiliser les couteaux. Mais hein? Pourquoi il a mis que le c'est comme le permis de conduire que ça, il faut attendre un certain âge. Sinon tu risques de faire un accident. Hein? Sinon tu risques de faire un accident. N'importe quoi. T'as pas n'importe quoi. Ouais, ouais. Oui. Hein, hein? Voilà. Bon, laisse les grands couper les tomates. Non. Tu dis non. Mais tu écoutes pas. Bon, quand tu auras plus de doigts, ouais, ben, tu vas écouter. Attends. Alors, école? Ouais. Ouais. On va la faire un petit peu. Et après, tu retournes à l'île. Ouais. C'est ça là. Qu'est-ce que tu as dans la main là? C'est en fait, comment te dire, quand en cuisine on n'est pas trop ça. Donc, enfin, c'est elle, moi je suis fort moi. Normalement. Oui, sauf qu'en attendant, moi je sais respecter, toi tu vois. Parce que j'ai pas besoin de ça. Moi je fais comme ça, sur le coup, spontanément. Quand je fais un gâteau, j'ai papa, pas besoin. Bah, on va rire chez nous. Mais vous avez quoi dans la main là? On va faire des crevettes. Des grosses crevettes de mer de l'île de la Réunion à la sauce créole. Il y a toute la recette là-dessus. C'est une très belle recette. Heureux, hein, parce que bon. Heureux, bon. Parce que s'il n'y avait pas la recette, c'est la balance. Y a-t-il un auteur à cette magnifique recette? Ah oui, c'est pas signé. C'est pas signé. Ah, d'accord, c'est pas signé. C'est un auteur inconnu. Tu sais, tu connais le soldat inconnu? Le soldat inconnu. Oh, ouais. Bah, la femme soldat inconnu. Mais si, tu connais. Je dois sûrement connaître. Je connais. Il connaît. Je connais pas grand chose, mais là, je connais. Je dois sûrement Radis, c'est moi qui ai fait ça. Tu m'as dit que t'as fait l'ail. Avec un couteau? Oui.
Oh, mais Mazuka, elle fait live. Ça, c'est ouf. C'est ça, c'est moi. Ça, c'est génial. Bon, vous allez commencer cette sauce de crevette de l'île de la Réunion à la créole, là. Oui. D'accord. Alors, il y a quoi comme ingrédients dedans, là? Il faut 5 oignons, une tête d'ail, du thym, un morceau de gingembre, du curcuma, 8 tomates bien mûres, un oignon vert, quoi? Coton mili? Ouais. Ah ouais, de la coriandre, de l'huile, du sel, du poivre, au piment, du thym. Ah, c'est du rhum. Moi, je note une chose, c'est qu'ils ont écrit du curcuma. Et c'est du rhum? Juste à côté du curcuma. Ouais, du rhum de la Réunion. Voilà. Du rhum de la Réunion. Moi, je note qu'ils ont écrit du curcuma et juste à côté, ils ont écrit safran pays parce que tout le monde dit safran. Et moi, j'avais toujours un doute, je me disais safran, mais. Safran. Mais non, parce que le safran, en fait, à la Réunion, c'est ce qu'on appelle le curcuma, en fait. C'est pareil. Les deux, c'est pareil, ok. Deux, c'est pareil. Pour nous, oui, c'est dans tous les cas, ça se mange, ok. Donc. Allez, bon. Bon, vous commencez parce qu'il se fait tard, là. Bien sûr. D'accord. Oui, bon, allez, les cristal. Dis-le de commencer parce qu'il s'est fait tard. Il se fait tard. Ouais, mais commence. Oui, on commence. Ok. Ça, c'est des crevettes. Ah, les crevettes de la Réunion. Ouais, il faut les nettoyer. Ah, j'ai faim. Tu as faim? Tu aimes les crevettes, toi? Ah, oh, j'aime trop. Bah, lui, il est allergique, mais moi, je... Toi, t'es allergique aux crevettes? Moi, je suis allergique, c'est que ça me gratte le palais, mes joues. Oui, bah, t'es allergique. Non, mais là, quand c'est fraîche, c'est des crevettes de l'île de la Réunion. Dans tous les cas, moi, j'aime bien manger, donc je mange même les trucs, c'est pas un problème. Faut t'emmener à l'hôpital après? Non, merci. Mais non, c'est pas un souci, ça. C'est pas un souci. Ça va bien se passer, ça va. Ça va bien se passer. Bien sûr. On verra si tu gonfles tout à l'heure. Ouais, voilà, comme le ballon de baudruche là, tu vois là, les ballons de baudruche là. Exactement. Si tu gonfles après, on va voir. Hein. Tu vois, tu nous écoutes pas. Après, oui, tu vas voir. Ok, ok, on va voir. Comme ça. Attends, Captain America. Ça, c'est déjà nettoyé, ça. Là-bas, c'est pas nettoyé. Oh, ben, il y en a qui sont bien nettoyés. Ah, ça, c'est pas nettoyé, ça. Il faut les nettoyer. Voilà, il faut pas casser là, non, il faut casser sous l'eau. Ah, ah oui, parce que sinon toi tu vas. Voilà. Et puis tu enlèves tout ce qui est à l'intérieur, là, ça, là, ça s'en jette, ça, hein, la coque et la tête. Hein. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est vrai, gros. C'est énorme, hein. Et nous j'enlève ça. Oui, bien sûr. Énorme comme du caca. Merci. Les crevettes, en fait, sont. Oui, ben, merci. Oui. Il y a tout? Oh ouais, tout est nettoyé, ça. Okay. T'as pas peur que tout ça y allait mettre, moi? Non. Jamais. On va manger, c'est un instant, donc c'est bon. Hein, c'est bon, hein. Tout ce que ça se mange, faut pas avoir peur, ok? Faut pas avoir peur. Oui. D'accord. Ok, alors. Et Raji, quoi? C'est bon. Un peu moins, oui. S'il faut salir les mains, par contre, bien sûr. Bon, ok, on va faire cuire alors. Hein? Bon, il y a une marmite, faut prendre une marmite et puis mettre sur le feu. Hein? Mais cette marmite là, hein, quand même. Papi. Oui, mais il faut nettoyer en dessous maintenant, hein? Non, tu vas pas nettoyer? C'est pas moi, c'est comme ça. Pourquoi? Ben moi j'ai déjà fait ma pomme. Non, mais c'est rare. J'ai fait quoi? Ah, tu fais sur le côté. Et par contre, coupe ici, pas ton doigt. Mais en fait, comme ça. Ça dépend. Et genre. Après, moi je coupe comme ça, mais après. Ouais, après ben, tu vas couper ton doigt là, comme ça. Bah, justement, c'est ce que je dis. Attends. J'ai jamais vu quelqu'un couper les tomates comme ça, moi. Moi je fais seulement ça, ça, et après je coupe ton. Mais tu fais en 4 seulement, du coup. Bah, moi je fais qu'en 4. Allez, quand est-ce que. Et toi, tu vas couper les oignons. Ah, mais genre, ah, tu vois, quand tu fais comme ça, c'est pas mal. En plus, c'est pas mal, sauf que oui, faut faire attention pour pas te couper les doigts. Hein, parce que dans la première partie, il y a le feu là-bas sur le. Ah, il faut être. Ah, ouais, ça va brûler là. Hein. Ouais. Alors, mets un peu d'huile, Candice, alors, tout de suite. Hein. Ouf, ouais. Tu mets combien, c'est bon? Ah, c'est bon. Là, hein, là dès que l'huile est chaude, tu prends tous les crevettes, tu mets dedans tout de suite. Hein. Alors, Cristal, il faut pas rester à côté là. Parce que là, ça va faire. Tcha! Comme ça, alors. Vas-y, Candice. Un peu d'énergie, là, hein, parce que je te vois un peu mou, là, non? Okay. Non, pas du tout. Et reste loin. Hein. Alors, t'as vu ça? T'as vu ça? C'est dangereux. T'as vu ça, Costal? Alors, il faut que tu tournes rapidement, là, parce que ça va changer de couleur vite fait. Hein? Non, tu prends, oui, celui-là. Hein? Et là, tu mets bien dessous, tu tournes bien, tu mélanges. Il faut bien mélanger énergiquement.
Ça va pas refaire boum là. Non, c'est plus boum là maintenant. C'est fini ça. Le boum est fini. Ça m'a fait peur. L'orage est passé. Hein? Ça m'a fait peur. Allez, tu mets la cuillère par dessous, tu soulèves, voilà. Tu soulèves, tu tournes, tu soulèves, tu tournes, tu soulèves, tu tournes. Et nan, il fait que passer, hein, la dame en noir. T'as vu la dame en noir? Elle est très jolie. Hein? Mais c'est ta soeur, c'est normal. Bah oui. Hein? Hein? Arrête, tu continues à tourner. Hein? Il faut les faire revenir, là. Hein? Et, tu vas couper un peu les oignons? On va couper les oignons. Hein, c'est toi qui fais les épices aujourd'hui, alors, Mathieu? Bah, apparemment, il me sort... De base, c'était Candice, mais... Ouais. On va servir un petit peu... Il y a pas de moins. Apparemment, je suis Bon, allez, allez. Il y a un couteau, là, Mathieu. Il y a un couteau, ouais. Alors, est-ce que t'as, est-ce que pareil pour. Alors, moi, on m'a dit déjà comment il fallait faire pour couper les oignons. Ouais. Alors, là, par contre, là-bas, je vois que c'est pas exactement pareil. J'ai le sentiment de couper le bois. Ah non, absolument pas. En fait, moi, on m'a dit, genre, tu vois, t'avais plusieurs manières de le faire. Soit tu coupais en lamelles comme ça, soit au contraire, tu faisais en rondelles, tu vois. Allez, fais en lune alors. Soit tu faisais comme ça, soit tu le faisais en. Allez, fais comme tu veux. Genre, toi, tu faisais comme ça. Et tu vois, comme ça, du coup, tu coupes de manière. Bah, tu finis trop, comme ça. C'est pas trop fin, hein. Pas trop fin, hein. Parce que de toute façon, ça va cuire, hein. Candice, regarde ta mamie, toi, là-bas. Hein, tu ramènes notre cuillère, là. Faut pas que ça colle, hein. Au fond, hein. Sans l'odeur, comment ces crevettes de la Réunion sont bons, hein. Ça sent bon. Ah ouais. J'ai faim. Hein? J'ai faim. T'as faim? Oui. Et là, il est genre midiote comme ça. Ouais. J'ai pas goûté. T'as pas goûté? Non. T'avais raison, parce que de toute façon, tu vas bien manger, là. Oui. On a dit qu'on met pas de piment dedans, hein. Non, pas du tout. Pas du tout, je dis, hein. Allez, c'est bon. J'appuie dessus, là, tu vas voir. On marche dans le vide, là, non? On marche dans le vide, ouais. Ah, ben voilà, on va changer de machine, peut-être. Hein. L'ail et gingembre, hein. On fait l'ail et gingembre. Alors, on a eu un tout petit problème. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'ail avant. Et le gingembre après. Et le gingembre après. Et... Ah, c'est bon, là, ils sont bien rosés. On va rajouter les épices dans un instant, alors, hein. Ok. Et le gingembre, tu le piles. Le gingembre, on le pile parce que c'est pas facile de faire passer directement avec voilà. Dans la machine, mais. Alors on va le piquer comme ça. Y a une manière optimale pour. Il faut bien l'écraser pour pas qu'il y ait des morceaux qui restent dedans. Ouais, ouais, on non, a mais bien. Des fois, ils volent un peu partout, du coup. Ouais, mais bon, faut faire attention, je trouve ça. Ok, super. En vrai, pour moi, le gingembre, c'est ce que je sens le plus dans le carré. Ah bon? Ça avec l'ail. Ah, d'accord. Les oignons, c'est un peu moins, genre, ouais. Je le sens un peu moins. Ouais. Mais le gingembre, par contre, ah bon, super. Hein? On met ça beaucoup et il y a Mémé, par exemple, elle met ça. Il uh-huh. Y a le 4 épices aussi qu'elle met beaucoup. Mm. Ça sent super bon, pareil. Ah bon. Et belle caloupe filée aussi. Mais bon, la cuisine, et toi, c'est pas une grande espèce d'amour, non? Oh, pas encore, mais il y a... Voilà. Mais bon, c'est pas ça que tu vas faire un jour. Oh, tu veux faire quoi, toi, un jour, toi? Alors moi, c'est encore assez confus, mais... Bah du coup là par exemple, je fais des études en maths pour l'instant. Bah tu es en quoi là, en, là, prépa, en prépa, maths sup. C'est ça, exactement. En ouais. Maths, ouais, en maths sup, c'est ça. Ouais. Et alors, est-ce que je sais réellement ce que je veux faire plus tard? Pas forcément. Parce qu'avec maths sup, tu peux faire beaucoup de choses. Oui, c'est ça. Professeur de mathématiques, chercheur en laboratoire. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire encore avec mathématiques, ingénieur, bah, comme ton père et... Exactement. Ah oui, c'est vrai que papa, il a fait... Yeah, oui, c'est hein parce qu'il faut beaucoup de mathématiques. Ça veut dire que tu peux m'aider du coup. Non, je te laisserai tout seul, t'inquiète pas. Ah d'accord, pas. Ok, ok. T'inquiète pas, parce que si je commence à t'aider, tu vas te prendre la tête, donc il vaut mieux que tu te laisses tout seul. Débrouille-toi comme un grand. Hein, y a c'est pas ça, de souci. T'as pas de souci? Non, pas de souci. En tout cas, ce que je veux juste dire, c'est que voilà, il faut faire ce qu'on aime. Faut pas forcément. Des fois, ça va être dur, mais c'est pas le souci. Il faut toujours se dire, allez, c'est ce qu'on aime, on va à fond, on pousse à fond. Et puis, c'est jamais trop tard si on veut se réorienter, etc. Donc, faut pas avoir peur, en fait. D'accord. C'est ça le plus important, surtout. Ah ouais. Okay. Bah, par exemple, ça se trouve, dans 2 ans, je vais faire cuisine. Hein. Vous savez pas. Ah bah. Tu fais maths sup et après, tu fais cuisine. Bah, ça, moi, oui, parce que dans, les maths, que dans la cuisine, il faut faire aussi les mathématiques parce qu'il faut doser le grain de sel. Hein. Exactement. Et ouais, là, tu risques de compter le nombre de grains de sel. Exactement. Toi, hein. On a eu une recette là et je pense qu'il faut un bac plus 3 pour le comprendre facilement. Quoi. Ah, ouais, ouais. Sauf qu'avec Candice, vu qu'on est, on est des professionnels. Ouais, c'est bah, je vois que tu as tout écrit là. Hein, donc. Exactement. T'es organisé. Bien sûr. Tu es organisé. Bien sûr. On est organisé, mais on est surtout à deux. Du coup. Oui, du coup, on est plus efficace. Voilà. C'est surtout que tu vas faire moins de bêtises, hein, écoute. Il va faire moins de bêtises?
Alors, c'est pas que j'ai pas confiance en toi. En fait, c'est ma petite sœur, mais elle joue le rôle du grand frère. C'est fou, hein. C'est quoi ? C'est ma petite sœur, mais pour elle, elle joue le rôle du grand frère. C'est pas vrai. C'est fou. Bah, écoute, papa, oui. Si tu veux bien manger ce midi. Oui. Il faut un petit peu plus d'organisation, faut tout, ok ? S'il y avait que dedans. Ouais. Ça aurait été pas le même goût, hein. Ah bon ? Bon. Je préfère manger, moi, alors, hein. Oui, exactement. Allez, bon. Allez, on rajoute les épices dedans. Hein ? Allez, Raji, tu prends l'ail, tu prends le gingembre. On va rajouter. Mais avant, il faut commencer à mettre les oignons, là, quand ils disent non ? Oui. Hein ? Ah là, il y a les oignons qui sont là, qui sont frais. Les oignons, le gingembre et puis l'ail. On va rajouter les oignons dedans. Parce que les crevettes ont été bien rougies, rougies. On dit ça comme ça ? Oui. Enfin, cuit à l'huile, quoi. Exactement. Ça a l'air bon. Joli, en tout cas. Ouais. Faut bien mélanger tout ça pour que ce soit homogène. Homogène, oui, parce que il y a des crevettes partout là où il y a des oignons. Ou sinon, il y a des oignons partout là où il y a des crevettes. Mais après, on va faire crevettes à l'ail, non ? Enfin, on va rajouter de l'ail, donc ça va faire genre crevettes à l'ail. C'est trop bon ! Bon. Les oignons, tu sais, ça cuit vite, ça. Hein. Donc, tu peux rajouter tout l'ail et le gingembre tout de suite. Hein. Bon, Raji, c'est toi qui ramènes l'ail et le gingembre, alors ? C'est ça, on va mettre le gingembre avant et ensuite, on va mettre l'ail. D'accord, comme tu veux. Hein. Ça sent bon. Hein, ça sent bon. Hein. Allez, on rajoute, hein, parce que... Tu sais, le feu n'attend pas, hein. Ah oui, je vous attends. Allez, tu mets directement du pilon à la marmite, hein. Oui, on va faire ça directement. Allez, directement. Ça, c'est le gingembre au départ, parce que le gingembre, ça donne un bon goût dans tout ce qui est poisson, crustacés, tout ça. C'est hein. Vrai qu'on sent beaucoup le gingembre. Ah bon, on sent ? Oui. Allez. Je vais mettre dans ma figure. C'est bon. Raji, tu prends l'ail tout de suite. On rajoute l'ail tout de suite. Allez, mais peut-être pas tout, hein. Là c'est un petit peu pour les grains, hein, tout à l'heure, parce qu'on a des grains aussi. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas mélangé l'ail et le gingembre, parce que au moins comme ça, on a un peu de l'ail tout à l'heure pour faire les grains. Là, comme ça croûte comme ça, faut peut-être déglacer un petit peu. On va mettre le rhum, non ? Allez, on va rajouter un petit peu de rhum, allez. Tu vas rajouter un petit peu de rhum. Alors si on laisse Raji, lui, il va rajouter la bouteille entière, hein. Ah, attends, tu vas laisser la caméra ici, Non. Allez, quoi ? Oh, tu vises à la bouteille, hein ? Mais pas tout, hein ? Pas beaucoup, hein ? Ah, c'est bon, arrose comme ça, c'est bon. Et là, on mélange. Hein, et là, on peut l'allumer un petit peu, hein ? On peut le faire flamber, hein ? Hein ? Et tiens, regarde, viens vite avant que l'alcool. Il y a l'allume-gaz qui est là, la vieille là, hein. Voilà, allume un petit coup de la marmite vite fait là. Mais non. Allume. Oui. Attends. C'est pas allumé. Ouais, il est pas allumé. Allez. Et voilà, tu l'as flambé. C'est dangereux, hein, vous là. Tu m'as dit que t'avais plus de boum. T'as vu, tu as fait flamber le crevette là. Voilà, et ça va donner le bon goût flambé à la crevette là. Hein. Là comme ça croûte un petit peu, alors là il faut pas attendre, mais il faut rajouter le tomate tout de suite. Hein ? Allez encore, pour décrouter le fond, encore. Allez, vas-y. Allez, encore. Là c'est bon, là il faut bien tourner quand même. Ça a l'air bon. Hein, ça en tout cas, il y a de la couleur. Il y a de la couleur. Mais on va rester encore de couleur là parce qu'il faut mettre le curcuma, le safran. Tonne bien. Là. Allez. Safran. Allez, n'hésite pas, mets-le. Hein. Voilà. Hein. Et voilà. Et là, on tourne. Hein. Et là, tu sais quoi, ce qu'il faudrait faire là, quand je dis ça, à mon avis, c'est mettre la couverture. Hein. Et puis après, attendre un petit peu que la tomate fonde un petit peu à l'intérieur. Hein. La couverture, s'il te plaît. Le bouchon marmite. C'est quoi ça ? Ta marque de fabrique. Hein, tu rajoutes quelques feuilles de caloupilé dedans ? Oui. Ah ouais, c'était pas inscrit sur la recette, ça ? Les feuilles de caloupilé ? Non, mais écoute, c'est bon. Hein, donc. C'est bon, hein ? Mais là, c'est un petit peu quand même à saler. Mais dans un carré aussi, on peut rajouter un petit peu. Hein. Quand on est mal bas jusqu'au bout des ongles. N'est-ce pas, Raji, hein ? Bien sûr. Bon, voilà. On va saler maintenant. Hein, ajouter un peu de sel. Hein. Vas-y, hein, parce que c'est pas parce que les crevettes ils sont dans la mer qu'ils sont salées déjà. Hein. Trois pinceaux, ça suffira. Encore un petit peu à mon avis. Hein. Et voilà.
un petit peu de poivre, tout de suite. Poivre. Voilà, un peu de les queues d'oignon. Hein, oui, c'est ça. Hein, et là, tu rajoutes directement dedans. Hein, faut les laisser cuire un petit peu avec. Hein. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. Ok. Non, je sais que ça ne ressemble pas beaucoup, mais la queue. Un petit peu de coton milieu aussi dedans. Hein, pour la cuisson avec. Alors. C'est ça le. Et tu égrènes un peu de thym dedans comme ça, alors quoi. Non, c'est comme hein? Ça, parce que là, il y en a beaucoup, on ne sait pas. Sent bon le thym? Ah oui, ça sent. Mmh. Voilà. Alors, le thym, on peut le rajouter avant ou après, hein, ça dépend. Hein. Hein? Chez nous, on préfère les rajouter un petit peu après parce que, au moins, comme ça, il garde, le, il garde sa saveur. Et oui. Hein? Voilà. C'est pas il y a un petit peu de cotomili dedans. On va faire parler les gens. Hein? Il y a beaucoup de gens qui vont parler là. Parce qu'il y en a qui ne mettent pas. Hein? Il y en a qui ne mettent pas. Oui, puis il y en a qui mettent. Ah, oh, oui, oh, oui, oui. Ben, ça n'est pas une personne. Il y en a qui mettent pas. Hein? Voilà. Ok, ben là, c'est presque bon là, dans un instant. Hein? Ouais. Il y a de l'oignon, oui. De l'ail, oui. Tomate avec un petit peu curcuma, oui. Du sel, du poivre, oui. Et du thym. Et du thym, c'est tout. Alors le curcuma, il y en a qui ne met pas dans, le, dans, dans les grains. Hein. Oui, parce que les gens, ce n'est pas une habitude. Nous, on est habitués à mettre un peu de curcuma dans le dans de toute façon, on met du curcuma partout. Nous. Partout. Donc, c'est bon pour la santé. Hein. Exactement. C'est bon pour la santé. Hein. Voilà, donc tu as une belle assiette là. Donc là, on va faire les graines dans un petit instant. Hein. On attend que les crevettes cuisent. Et après, après c'est bon, on y va après. Oui. Hmm? Ok, voilà. Christelle a déjà fait son plat. Vous, vous avez fait votre plat. Et il y a peut-être que Chloé va faire. Donc, Chloé est malade. Elle a une gastro. Ah. La pauvre. Hein? Bon, elle va faire quelque chose alors. Hein? D'accord. On va trouver. Hmm? Oui. Sinon, elle va nous servir à boire. C'est toi qui fais les grains alors. Hein? C'est nous qui allons faire les grains du coup. Ah ouais, donc, ouais. Et toi, tu l'assistes? Oui, moi je présente. Toi, tu présentes? Tu présentes comment? Oh, c'est beau. Alors, ça, je vous explique ce qu'il y a dedans. Ouais, tu nous expliques encore. Donc, alors, de l'oignon, de l'ail, tomate, mais ça faut mettre à la fin. Ouais. Poivre, sel, thym. Et c'est comment tu fais ta main là? Ah, c'est comme ça que tu fais quand tu es à la chorale, là. Tu fais chanter les autres, parce que tu chantes, toi. Oui, j'aime bien chanter. T'aimes bien chanter. Tu aimes bien aussi jouer. Oui, mais je préfère... en vrai, je préfère chanter que jouer. Ah ouais? Mais après, c'est un passe-temps aussi. Ah ouais, ouais. Tu joues quoi, toi? Je joue du piano. Toi... En vrai, j'aimerais bien aussi apprendre la guitare et le violon. Ah, mais c'est Raji qui joue de la guitare. Ouais, toi, tu joues de quoi, toi? Moi, je fais de la guitare et de la basse. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans avec Candice de base. Et ensuite Candice elle a commencé dans le piano. Ouais. Non moi toujours la guitare du coup. Ouais. Et en fait là le but c'est qu'elle a dit qu'elle devait apprendre de la guitare. Donc si en parallèle tu pouvais faire du piano, on pourrait voilà. Et vous jouez dans les églises depuis combien de temps? Toi tu joues dans l'église depuis... au piano? Oui bah ça fait 7 ans. Ouais, mais t'étais encore petite, tu jouais dans l'église. J'ai commencé fin CM2, donc ça fait 7 ans, oui. 7 ans que tu joues du piano à l'église. Hein? Et bien tu peux jouer n'importe quel endroit. Ouais, en vrai, j'aime bien. Et même jouer avec les groupes et tout, c'est trop bien. Ah. Bon, après, il faut de la patience, hein, parce que pas tout le monde est d'accord, mais en vrai, non, j'aime bien. J'aime bien. Bah, toi, tu nous feras un petit coup de piano, hein. Ok. D'accord. Et bon, allez, mets de l'huile, toi. Mets de l'huile. Ouais, tu connais la chanson, mets de l'huile. Non, tu vois pas. Non, 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 non. Non. Hein? Encore, encore, encore. Ah, encore. Ah, ah bah oui, les bons, les bons, les bons, les bons. Ta marmite est un petit peu tendre, il hein, faut le dresser un petit peu parce que tu vois, l'huile n'est pas de niveau. Hein. Ouais, tu peux prendre comme ça quand même, c'est pas ça. Non, mais c'est pas si chaud. Si, 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 non. Hein. Hop là, attends, attends, si, c'est chaud, c'est chaud. Petite la marmite. Voilà, les petites, là c'est bon, hein, plus ou moins. Allez, on rajoute les oignons alors. Ok. Allez. C'est bon, ça va être chaud par contre. Les oignons. Bah, tu peux le faire tout de suite aussi, hein. Ah, on va te ramener un petit peu dedans, mais... Non, attends. Non, tu attends. Ouais, on va continuer avec l'ail en faisant. Bon. Voilà, d'accord. Je suis étonné, hein. Ça va vite, là. Là, tu as vu le feu, comment il est pas très fort, mais... Il faut pas que ça brille, hein. Voilà. Enfin. L'ail, dedans. Ici. Voilà. On flamme toujours. Tu vois que ça commence à griller au bout, là-bas, là. Ça veut dire que faut vraiment rajouter le thym tout de suite, là. Okay. Je mets direct comme ça. Oui, directement dedans, comme ça. D'accord. T'as le poivre aussi, hein. Alors, il y a des gens qui mettent pas de poivre dans les grains, hein. Bah, ah non, mais tu vois, le poivre, faut le mettre partout. C'est trop bon. Le poivre, il est trop. Ah, oh, j'aime trop. Ah, moi, je mets partout le poivre. Allez, le poivre aussi, alors. Le poivre, ça te met en même temps, hein. Ouais. Ah ouais, voilà. On peut quand même mettre du sel avant. Tu mets du sel avant, d'accord. C'est normal, hein. C'est le sel qui a l'origine de l'huile. Rajoute les tomates, parce que là, sinon, ça va cramer, là. Ah, voilà. Et on tourne. On déglace là avec la tomate. Hein.
Voilà. Les grains dedans, les grains rosés, hein, un petit peu. Hein. Voilà. Il faut déglacer. Tu peux y aller, hein, tu peux y aller. Même s'il y a un peu de grains dedans, c'est pas grave. Hein. Voilà, pas tout. Là. Là, maintenant, tu tournes pour que tu déglaces. Tu décolles le fond. Hein. Comme ça, on fait. Hein, on décolle le fond, là. Hein. Et là, après, tu peux rajouter le reste. Hein, parce que sinon, ça va cramer. Voilà. Et voilà, là, maintenant, tu tournes bien. Bien, bien même. Et comme on n'aime pas que les grains soient trop secs, on rajoute un petit peu d'eau dedans, voilà. Et on laisse cuire. Voilà. C'est bon, on laisse cuire un peu. Oui. Après, on va manger. Voilà, mais il n'y a pas un gaille tomate à faire. Ah, il faut attendre encore. Il faut attendre encore. C'est pas moi. Qu'est-ce que tu fais là avec ça? C'est comme ça qu'on présente. Alors, pour le gaille tomate, il faut du sel, l'oignon, piment et ben, des tomates. Hein, voilà. Et un petit peu de calopilé dedans. Non, pas calopilé, cotomilli. Oui. Un petit peu de cotomilli, hein, c'est là-bas. Après, à la fin. On y va alors? C'est toi qui fais? Attends, mais il faut tout, non? Il faut mixer, il faut faire ma, ma, ma. Faire comment? Ma, ma, ma. Bon, ok. Voilà, on a changé de moulin parce que là, tu étais un petit peu... Ouais, celui-là, il va être plus efficace. Voilà. Ah, pour regarder un peu de temps en temps. Hein. Mais regarde. Ah, c'est bon là, non? Ça ressemble à quelque chose? Ouais, c'est bon là. Il faut rajouter les tomates d'abord et les oignons après, parce que si tu mets les tomates et les oignons d'abord, eh ben, et ils vont trop être. Oups! J'ai mis un petit peu par terre là, on est d'accord. C'est pas grave, c'est pas grave. Quelque part, je gère. Là, tu rajoutes les oignons, ouais. En dernier. Et là, les oignons, faut pas trop les mixer. Sinon, on les verra plus. Okay. J'essaye pour voir. Okay. On regarde. Et ben voilà. Bah, super. Bah. Allez, c'est bon. Okay. Ça, tu allumes des bougies. Hein. Non, parce que comme on a fait des crevettes, il y a un petit peu de mouche. Hein. C'est normal, hein, parce qu'on est dans la forêt ici, on est dans la nature. Hein. On est dans la brousse. Hein. Bon, voilà, tout est beau, tout est prêt. Là. On va aller manger dans un instant. Hein. Et la dent, c'est toi qui as fait. C'est quoi ça, la dent là? Ça, c'est ton poisson. Hein? Poisson frites. Poisson que tu as frites. Tu as fait frire tout à l'heure. La dent, c'est les camarons. C'est chaud. C'est encore chaud. Ah, ça, c'est les camarons. Le riz est l'autre côté. Et puis là, c'est les grains. Bon, hein? Voilà, et le petit bouquin de tomates ici. Et toi, tu fais quoi, toi? Je demande à ma maman si je peux mettre du rouge à lèvres. Tu veux mettre du rouge à lèvres? Je vais demander à ma maman. Bon appétit. Mais bon, retrouve un instant. Ta bonne fête. Les fêtes sont finies, là, non? Oui, fini là. Oui. Ben, hein, bonne année, alors. Bonne année. Mais bon. Oui. Tout le mois de janvier, on peut toujours dire bonne année, hein? Ben oui, tout le mois de janvier. Oui, oui. Bon, ben, nous mange un instant, alors. Allez, bon appétit. Le verre de vin, comment il fait? Il verse droit, puis il verse droite. Hein, le verre de vin, non, on verse droit. Jamais on penche le verre. Il n'y a que pour la bière on doit pencher le verre. Mais jamais pour le vin, le champagne. Avec modération, bien entendu, tout ça. Hein. Toujours, toujours. Mmh. Bon, ben, bon appétit, Chloé. Bon appétit. Mmh. Tu es en mode américain. Non, comment bon, les sud-américains, là. Tu vois, comment ils s'appellent ça avec la coupe de cheveux comme ça, ils sont. Les espagnols. Donc, juste la fleur. C'est ça? Bon, bon appétit. Merci. Bon, Raji, Candice. Bon appétit. Bon appétit, Chloé, Christelle. Bon appétit, bon. Guillaume. Toujours malade même? Toujours malade. Hein, toujours malade? Ouais, va aller mieux là. Va aller mieux là. Ouais, oui. Aussi, dans trop tard le soir. Ben, ça, tu gagnes un coup de froid, ça. Coup de froid, est sûr. Coup de froid. C'est bon, alors. Bon, à prochaine, alors. Allez, à prochaine. Allez.